Hello la team, j'espère que vous allez bien. Les premiers achats manga de 2022. Et j'en ai acheté pas mal. Je sais pas combien j'en ai acheté, j'ai pas compté encore, mais il y a quand même une bonne pile. Pardon. Déjà, le tome 6 de Aohashi. Ensuite, nous avons chez Panini Manga le tome 20 de Demon Slayer que je vous conseille. Il reste plus que 3 tomes et j'aurai fini le manga. Ensuite, nous avons Butterfly Beast 2 chez Mangetsu, le tome 1. Donc, c'est la suite de Butterfly Beast. Nous avons une petite one-shot de chez Ototo que j'ai acheté chez sur Vinted, pardon. Donc, c'est Je ne suis pas née dans le bon corps. Donc, c'est sur la transition sexuelle, les opérations. Franchement, c'est bien expliqué. Chez Pika, nous avons Criminal Fiançailles, le tome 1, que j'ai adoré. J'ai hâte de lire la suite. Avec une jeune fille issue du monde de Yakuza et le mec il est vraiment psycho, Pat, c'est trop marrant. Ensuite nous avons le tome 2 de Yakuza Réincarnation chez Kazé. Voilà, je mets le résumé. Ensuite chez Kazé nous avons Badass Cop 1 Dolphin et j'ai adoré franchement. Le tome 1 il était vraiment incroyable, j'ai hâte de lire la suite. Avec un flic avec une tête de dauphin, c'est trop drôle. Le tome 13 de Jagan. La couverture, elle est incroyable. Ensuite, nous passons chez Kurokawa avec le tome 4 de Dans l'ombre de Crémy. J'adore Crémy et franchement, il fallait que je lise la suite. Malheureusement, j'ai pas eu les petits autocollants qu'il y avait dans l'offre. Ils n'avaient pas reçu. Ensuite, nous avons 008 Apprenti Espion. Et pour finir, chez Kurokawa, nous avons le tome 1 et 2 de Oshinoko. Une nouveauté. Ça a l'air plutôt sympa. Hop, voilà pour hop, cette pile-là. Et nous passons à la deuxième pile. On a le tome 7 de Les Carnets de l'apothicaire qui est sorti. Et les couvertures sont toujours magnifiques. Elles sont vraiment très très belles. Ensuite, chez Pika, nous avons une nouveauté, donc Trèfle. Pareil, ils ont fait un travail incroyable sur les couvertures avec ces effets-là. Je vous mets le résumé là. Donc, c'est par l'auteur de Sakura. C'est les Clamp. Et honnêtement, j'adore. J'adore cet auteur. Ensuite, nous avons Mermaid Saga, le tome 2, donc chez Glénat. C'est l'auteur de Ranma ½, Inuyasha, Maison Ikkoku. Donc, si vous aimez ces mangas-là, n'hésitez pas à lire celui-ci. Ensuite, on passe chez Soleil Manga. Donc là, 3 Yakuza pour une otaku, le tome 3. Et franchement, ils ont fait un travail incroyable sur la couverture. Elle est magnifique. C'est vraiment l'une de mes préférées. Ensuite, nous avons une nouveauté, The Vampire and the Rose. Et ça a l'air une histoire plutôt assez mignonne. Moi qui adore les vampires. Ensuite, une nouveauté, Harry Makito, magicien et sauveur de sorcières. Ça a l'air plutôt sympa, pareil. Une nouveauté sortie chez Soleil Manga. Ensuite, c'est pas vraiment une nouveauté, mais plutôt une réédition. Donc, la réédition de Midnight Secretary. Et honnêtement, ils ont fait un travail incroyable. Elle est vraiment magnifique. Et les dessins, ils sont super beaux. Donc, n'hésitez pas à le lire. Là, c'est le tome 1 qui est sorti en grand format. Et honnêtement, c'est une pépite. Celui-ci, j'ai adoré le 1 et le 2. Il était incroyable. Le chat qui rendait l'homme heureux. C'est tellement mignon, tellement touchant. L'amour entre le chat et le personnage là. Franchement, c'est vraiment trop trop mimi. C'est un gros coup de cœur. Ensuite, le dernier que j'ai acheté, donc Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, le tome 3. Et franchement aussi, c'est pareil, c'est une pépite. J'avais adoré aussi le drama que j'ai tout regardé. Parce que j'avais pas patience pour lire, pour attendre le tome 3. Du coup, je me suis mis tout le drama et je vous le conseille. C'est une pépite aussi. Les acteurs, ils sont tellement beaux dans le drama coréen. Donc voilà, je vais compter combien j'en ai acheté. Alors déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. On est à 21 mangas pour ce début d'année. Donc, ça fait
21 mangas à lire, bien que j'en ai lu déjà quelques-uns, mais honnêtement, j'ai tellement une pile énorme à lire que je suis tellement en retard que franchement, là j'en profite, là j'ai 3 mois de vacances, il faut que je lise au moins un manga, 2 mangas par jour pour un peu déblayer cette pile à lire parce que c'est pas quand je bosse que j'aurai le temps de les lire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire combien vous en avez acheté pour ce début d'année et honnêtement, je pense que je ne vais plus en acheter, je pense à part 2, 3, 4, par-ci par-là, parce que là j'ai plus de budget manga, là c'est plus possible. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Allez, bisous, bye bye!